Salut les gens, c'est Hyper. Aujourd'hui on se retrouve sur un épisode, l'épisode 1 sur Subnautica. Alors j'ai eu on m'a donné quelques idées pour cette vidéo, je vais en appliquer une ou deux. Donc voilà, alors par contre je suis désolé mais en téléchargeant, j'ai eu des problèmes avec mon ordi, j'ai dû supprimer Steam. Ce qui a fait que ça a supprimé la map, donc j'ai relancé la map. J'ai crafté les bouteilles d'oxygène, tout ce que j'avais. J'ai récupéré des minéraux qui sont dans ces coffres là. Bon, du quartz, du titane, il y a tout ce qu'il faut. On va être tranquille pas mal de temps. Voilà, la barre de bouffe est pas au summum, hein. C'est pas grave. Donc la génération de la map ce coup-ci est assez belle quand même. Attends, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est super. Je suis content de retourner sur ce jeu. Bon, j'ai joué quand même un peu parce que j'ai dû. Ah, oh. Regardez comment c'est beau. Regardez, on est posé sur la seule île. Par contre, on est un peu en surface avec notre île. C'est un peu gênant quand on sort du machin là. Du pod. Mais ouais, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, on m'a dit de crafter une. On va pas le percer non plus. Voilà. Alors, on m'a dit de crafter une combinaison. Une protection. Alors j'ai pas vraiment crafté une protection, j'ai crafté une équipement, voilà ça, une combinaison anti-radiation parce qu'il y a des radiations. Si on va trop vers l'aurora, on va se faire, on va le sentir quoi. L'aurora, si vous le savez pas, si vous avez pas vu le premier épisode, ce que je vous conseille de voir, hein, je me suis bien éclaté moi, il est un peu long. Donc l'aurora c'est ce vaisseau. Donc voilà, la dernière fois on avait crafté le couteau, les bouteilles d'oxygène, on avait découvert un peu la map, enfin voilà. Donc maintenant on va essayer de crafter déjà la combinaison anti-radiation. Et ensuite je vous réserve une petite surprise. Allez c'est parti. Alors pour la combinaison anti-radiation ils font deux plombs. Alors j'en ai pas. Directement j'en ai pas. Ça c'est du titane. Je suis vraiment blindé en titane. Hein. Blindé en titane, vous avez compris. Alors salut. Donc j'ai mis masse de coffres, hein. Les coffres sont voilà titane et là non, c'est du quartz. Voilà, on est plein. On va essayer de trouver ça. Ah, on entend les petites bestioles qui explosent. Allez en profondeur. Au passage, on va essayer de récupérer un petit Pascal là. Alors je commence à connaître les noms. Hein. Je commence à éviter. Oh, je sais pas si vous ça freeze mais moi j'ai des freezes, ça doit être... Moi si vous voyez pas c'est à cause de frappe ça va. On va passer un tour là-dedans, il y a du monde. Des chiants, bon, par contre la première fois que j'ai relancé cette map, je me suis fait agresser par les je sais plus non, ceux qui vivent là-dedans. Ouais je sais, je dois remonter. Ah oui non, je dois manger. C'est chiant qu'il ne parle en anglais alors que ça écrit en français. Il devrait pouvoir le faire. Ça. Alors ça, c'est des fragments. Donc on les analyse et après on les met dans notre. Ça, une fois qu'ils sont analysés, ça va dans ça, dans tous les schémas et tout. Donc ça, c'est un bateau, je crois. Attendez, je vais regarder. Ouais, Simov. Alors Simov, c'était un petit vaisseau. C'est ça. Il y a le Simov, donc nous ce qu'on va faire, on va construire des palmes. Ensuite on va construire le Seaglide, qui est un... Comment vous expliquer? Enfin c'est un truc qu'on tient en main et qui nous fait aller plus vite quoi, avec un moteur, une hélice plutôt. Voilà. Ensuite le Simov, et ensuite plus tard, dans quelques épisodes, dans beaucoup d'épisodes, le Cyclope qui est le plus gros vaisseau du jeu. Sûrement qu'une fois qu'on aura notre Simov, on ira à l'Aurora. Hein, donc c'est dans 5, entre 5 et 10 épisodes, on ira à l'Aurora réparer ce qu'il y a réparé. Parce qu'il me semble qu'il y a des trucs à faire au niveau réparation, parce qu'on a une soudeuse aussi à récupérer. Enfin, à crafter pour y aller. Sinon, ça sert à rien. Oh, alors ça, j'ai découvert ça la dernière fois. En me baladant comme ça, j'ai récupéré du minerai. Je l'ai trouvé. C'est quand même sublime. Bon, il nous faut du plomb. Je sais pas du tout où on peut en fait en trouver. Je vais aller m'enfoncer là-bas plus profond, là-bas là. On va essayer de pas aller vers l'aurora.
Ouais, sinon, ouais, on est à l'inverse de l'aurore, tant mieux, parce que sinon on va avoir les radiations, ce serait assez gênant. On va essayer de pas trop trouver de requins non plus, parce qu'au niveau barre de bouffe, ça se vide. Donc au niveau barre de vie, j'imagine aussi. On bouffe un peeper. Ah, ça s'appelle les peepers, ce machin. Et il me troll encore. C'est chiant. Je crois qu'à force, on va trouver un nouveau biome. Oh là là. Ce serait énorme. Oh, des pots de sel. Je commence à connaître un peu le jeu. Je commence, hein. Je connais pas encore tout. Je vais pas vous spoiler. Mais calme-toi. Regardez ce machin là-bas. J'étais en train d'appuyer sur C comme avec le zoom d'Optifine, mais ça marche pas bizarrement. Quand on sera à 10 de bouffe, on rentrera à la base, parce que là, on va crever. Le problème, c'est que j'ai pas fait de réserve de bouffe. Bon, ça le problème, on va galérer. Allez, on va aller en bas là-bas. Ah, je sais pas si j'aurai accès à l'oxygène. Oh, putain, il y a même pas de minerai, quoi, c'est... C'est vers là qu'on doit trouver les minerais. Plus profond, plus c'est profond, plus c'est rare. Warning, oui, 30 seconds of oxygen remaining. Allez. Ça, c'est bizarre, ça fait des carrés, regardez. Hop, carré. Là, c'est loin de notre pote. Ah ouais, mais attends, j'ai pas pris toute ma... Voilà, on est loin de notre pote. Voilà, là, je suis à 105, c'est parti. J'ai essayé de trouver du plomb. Mais non, je suis con. Je suis sûr que c'est ça, ça se craft le plomb. On va quand même aller voir ce qu'il y a en fond. Ah, désolé, ça se craft le plomb, j'en suis sûr. Parce que j'avais quand même pas mal miné autour. Et vu que la combinaison est un truc assez important à avoir dès le début. On a un volcan. On a un volcan ? Ce serait pas mal ça. J'espère que c'est un volcan, que c'est pas un nid de gros poisson. What? Yeah. Oui, d'accord, il y a un truc là. Emergency. Je paye pour... Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. On rentre à la base vite. Je crois qu'on avance moins vite quand on a plus de... Ah non. C'est pas bon, ça c'est pas bon. On va aller manger des algues, on s'en fout. Les algues, ça nourrit. J'ai appris ça la dernière fois. J'ai essayé. Ouais, enfin... Je sais qu'il y a 30 secondes d'oxygène restant. Ah, je le sens pas du tout. En plus, si le machin nous met un coup dedans, on est foutu. Je suis déjà mort deux fois. Hors cam. Enfin, en ayant cherché les minerais, justement. C'est pour ça que j'ai tant de... Emergency. Mais je sais, 10 seconds of oxygen remaining. Ça, j'avais essayé la dernière fois, mais là. Voilà. Voilà. Tap vite. Avant qu'elle pourrisse. Parce que ça pourrit très vite. Voilà, en plus, ça remonte l'eau et tout. C'est parfait. On va retourner au pote très vite, on va essayer de voir le pont parce que ça me fait bien. On va faire de la maille, je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave, c'est facile à faire. Je pense, enfin j'espère. J'espère que c'est que du titane comme ça on le fait. Ah, j'ai trop envie de vous dévoiler la surprise après, mais non, je ne vous la dévoilerai pas. Eh, donc, on a des paysages splendides au fond, moi je reste en surface. Pas obligé de dire dans les commentaires que je suis bon. Je crois que les champignons ils poussent quand on... Oh, calorie deficiency, attends, j'ai mangé, j'étais plus qu'à 9 là, je suis... On est bien. Ça serait bien que les herbes repop. Oh. On va essayer aussi de se faire des palmes. Je sais pas si on en avait fait la dernière fois en vidéo, mais j'ai regardé le craft avant de lancer la vidéo. Je sais que c'est simple. Faire le pont. C'est pas là-dedans. Lingot titane. Oh, un P. Non, plaque de plomb. Deux. Ok.
Est-ce qu'il nous faut des plaques de plomb ou est-ce qu'il nous faut juste du plomb? Je suis poussé là quand même. Ah, attendez. C'est des plaques de plomb. Alors pour faire des batteries, il nous faut des champignons. Donc on va aller chercher une masse de champignons. Comme ça, ça fera plus fort ici. Allez, un autre il faut, c'est quoi? Je sais pas comment. Je pense qu'il faut deux champignons pour faire. Pour faire une pile. C'est où ça va être à faire? Et truc, pile, batterie. Minerai de cuivre, alors ça va, minerai de cuivre, on est un peu full. J'espère que j'en ai un peu là. Allez, allez. Putain, je suis tout descendu. Allez, c'est parti, on va chercher. Donc, le minerai de cuivre, il est dans les coffres que j'ai mis, je ne sais où, là-bas. Ah, j'espère que cette aventure vous plaît parce que moi je kiffe. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer parce que c'est fou dans Minecraft. Je pense à un abonné d'ailleurs. Ah gâche. Je sais qu'il regardera pas de toute façon, j'espère qu'il est. Ah non. Descends au sol. Ah, c'est le dernier, putain, vous allez pas me dire quoi. Voilà. Non. Putain, je suis pas doué. Bonne bagarre. Hop, shift, tac, tac, tac. On va prendre 3. KO. On va le poser dans le truc là-bas aussi parce que les piles, je sais que c'est important. Attendez, je coupe mon micro, je reviens. Voilà, fait que je tousse. Donc, non, là. Non, là. Attends, je suis pas encore prêt. Il est parti. Hop, plaque de plomb. Là. Il faut deux plaques de plomb. Il n'y a pas marqué plaque. Ah si, il y a marqué plaque de plomb. Pourquoi ça fait des boules, c'est pas des plaques? What? Oh, maille de fibre. Et, ah oui, merde, il en fallait deux. Ah, j'ai pas pris assez de champignons alors si. Oh, putain, je suis perdu dans l'inventaire. Et j'espère que je peux encore en faire... une... Oh, c'est bon. Je sais pas ce qu'il faut, mais voilà, moi j'ai. Voilà. Alors ensuite, il nous faut de la maille, je ne sais quoi, maille de fibre, vigne, machin. Ok, on va chercher des vignes. Alors j'aurais dû regarder avant. Je me serais fait une petite liste de. Vers la bas, je crois. Attends, vers le roi. Ok, je peux dire. Ah si. Bon, je suis pas. Je suis bien. Bon, elle est par là. Je pense qu'on en trouvera. La génération est un peu bizarre. On a un bel endroit et puis là on a des crevasses, des trucs de ouf. J'ai oublié de manger. Bon, on va manger des vignes aussi. Ah, c'est bourré la gueule. Eh, mais je sais plus où c'est. C'est drôle, oh putain, c'était tout l'autre côté de Paris. J'aurais dû manger. Hein. On va pas manger, on va manger des vignes, c'est pas grave. Je sais sortir mon couteau maintenant, donc c'est plutôt bien. Allez, j'espère qu'ils sont là. En fait, le couteau a une durabilité. Emergency, severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Oui, 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 c'est là, c'est là, c'est là. On va en couper masse de vignes le plus qu'on peut, on va les manger. On va se faire un truc qu'on va tout manger et un truc qu'on va ramener un petit peu. Ah, j'ai même pas regardé combien il en fallait. Il fallait 2 mailles. À mon avis, il en faut 2 trucs par maille. Oh, il y a de la... au fait, j'ai remarqué aussi les tôles qui bougent là, qu'on voyait. C'est des gros machins. Je sais pas pourquoi ils s'amusent à manger de la tôle. Chacun son kiff. Hein. Oui, on se calme, machin. Machin, il nous insulte, après il nous parle. Emergency, 10 seconds of oxygen remaining. Comme la dernière fois. Ah, voilà. On va pouvoir manger. Ah, vite, 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 vite. Heureusement que ça donne de l'eau, sinon ça serait mieux.
Oui, vite, 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 vite. Emergency blood severe bloody hydration. Okay, pas la douche. Est-ce que vous entendez du bruit, c'est normal. On peut, ils sont en train de faire des travaux chez moi. Blood loss detected. Qui était pas bon, mais c'est pas grave. On va quand même réessayer, même si on meurt, c'est pas grave. Je veux pas mourir en vidéo, mais au pire. Je préfère manger. Ah mais c'est marqué, c'est bon, on est bien là. On continue de manger de ça et puis merde quoi. C'est bon. Ça. À mon avis, faut pas manger quand il y a des machins. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Je pense que vous entendez, mais c'est pas grave. Voilà, on va remonter, on va manger, et après on va retourner à la base, construire cette, crafter cette, emergency, 10 seconds of oxygen remains. Blood loss detected. J'espère qu'on va ramener un peu à la maison. Alors les petites boules là que vous voyez, c'est pour faire du lubrifiant pour les vaisseaux, pour les emergency severe dehydration detected, seek fluid intake immediately. Allez, c'est parti, on va à la base. Go go go. J'aime pas trop ce coin. Je sais que il y en a qui aiment bien, mais moi je trouve que c'est moche. J'ai pu regarder des vidéos de certains youtubeurs et il y en a un qui a construit sa base dans ce secteur, enfin dans ce biome là, sauf que avant ils y voyaient bien, puis maintenant ils ont la texture de l'eau dans certains biomes a changé. Avant on voyait 15 fois plus loin, l'eau était bien plus claire et tout, puis ça a tout changé. Bon, c'est pas grave, au pire hein. Et on va essayer de chasser en même temps. Et maintenant c'est moche quoi. Enfin c'est pas moche, hein, j'adore ce jeu. Mais on voit mal quoi. Donc on va pas se mettre ici. Viens là Vitel. J'ai besoin de vous pour survivre. C'est vous ou moi, je préfère que ce soit vous que moi. Je sais, il y en a une qui est passée à côté de moi, mais on va quand même la chercher. Tiens, je sais plus c'est qui est droit ou qui est gauche, on va se retrouver pendant quelques temps. Ça, j'ai encore du mal. Oui. Dès que j'ai 5, faut que je rentre à la base impérativement. Emergency, 10 seconds of oxygen remaining. Oh, le truc là, c'est bien, il va le choper au passage. J'ai toujours pas réussi à en choper. Hein. J'ai réussi à choper les boomerangs là. Ça c'est bien qu'on puisse manger, je sais pas, moi, des végétaux comme ça, on les récupère, c'est plus simple, ça bouge pas les végétaux. Ok, ça sert plus à rien. Donc on va crafter ce qu'on avait à crafter. C'était de la maille. Ouais. Magnifique, je sais pas quoi. Il fallait deux, il me semble. Est-ce qu'on va le prendre en noir d'avance? Je ne sais pas. Ok, on l'a. C'est bon, ça va. Ça nous fait des balles, c'est pratique. Et voilà, on est équipé. Combinaison, gants et quoi? Et masque sûrement. Voilà, on est équipé. Donc la radiation. Bon bah c'était compliqué. Qu'est-ce que tu nous as donné à faire tout ce qu'il y a? On trouve des trucs mieux. Ouais, c'est lui qui m'avait donné cette idée. Oui, il regarde les vidéos. Moi comme moi je regarde ses vidéos. Ouais, mais la radiation, maintenant on peut la détecter, on s'en fout.
Donc maintenant, je vais vous faire ma surprise, enfin la surprise. Ah ben non, je peux pas, il faut que je crafte un gros truc. Donc on va crafter le constructeur. Un constructeur, il sert à crafter des morceaux de bâtiment, quoi. Donc ça y est, vous doutez ce que je vais faire. On a d'autres, ça, ouais, je pense, j'espère. On va voir. Attends, on va pas filmer quoi. Moi j'en ai deux. Donc on va construire un début de base vite fait. Parce que j'ai mes coffres, j'en ai marre, je trouve que c'est chiant, j'ai trop de coffres. Hop, on va manger ça. Alors, comment ça fait là, ouais. Vital signs stabilizing. Enfin pareil. Ouais, steak. Steak. Steak de vitel. C'est pas. Je peux trop manger du plastique, mais bon, c'est pas grave. Oui, donc merde, c'est pas grave. Allez, c'est... Oh oh oh. Voilà. Voilà. Alors on est un peu mieux. Alors le fabricateur personnel outil. On va crafter soudeuse. Ah soudeuse, c'est ça. Ouais, ça sert à réparer par exemple notre Simov quand on l'aura. Ça sera pour le réparer, on pourra l'aider. L'utiliser. Ça c'est un scanner, c'est pour savoir par exemple pour scanner. Vous savez les petites boîtes qu'on a trouvées en bas. Après on pourra les récupérer je pense. C'est déployable. Déployable. Ouais. Ça, c'est ça que j'ai utilisé. Attendez. Est-ce qu'elle se fabrique encore? Parce que si ça se fabrique pas, je sais pas comment je fais. Équipement. On va repasser. Non, c'est pas là-dedans. On va sûrement se crafter des. Ouais, j'espère. Attendez, le silicone, ça se fait comment? Cartouche de silicone. 2 graines. De vigne, oh, c'est parti. Voilà, parfait. Ça, on aura des palmes pour aller plus vite. Hein. Tac, tac. Il en faut 2, donc c'est bon, tranquille. Hop. Ah ouais, non, il nous en faut 2. Oui, non, il en faut 2. Ah, il faut 2 graines de vigne. Oh, c'est horrible, c'est chiant. Est-ce qu'on y vient ou pas? On s'en fout. Je veux crafter ça, mais le fabricateur, mais. Je sais pas, en fait, où c'est. Outils, c'est dans les outils. Scanner, lampe torche, couteau de survie, fil d'Ariane. Machin. Putain, je suis con, constructeur d'habitat. Circuit intégré et pile. Alors, pile, est-ce qu'on a de quoi en faire sur l'eau? C'était pas là, les pistons. Là. Il manque une heure de cuir, parfait, on avait remonté. On avait remonté. Putain, je suis à la ramasse. Sérieusement. Ah, ça c'est fait. Oh, l'œuf. Voilà, œuf de créature peut être posé. Alors, si on le fera plus tard. Hein. Shift clic gauche, ok. Œuf non identifié. Ok, on verra. Ça se trouve ça. Je sais pas ce que du tout. Du tout, qu'est-ce que ça peut faire? J'irai pas voir sur internet comme ça, moi je me suis pas. Petite chose. Oh, je l'ai eu. On va en monter réellement. J'en reminerai pour la prochaine fois. On va. Ouais, je dis miner hein, comme sur notre c'est pas grave. Oh, t'es bloqué dans mon bateau, c'est bête, hein, tu vas attendre. Là, on va manger du goût. Ce qui est bien, c'est qu'il se mange ici. Ah, le super. Ouais, on va vous rendre. C'est ça en plus. Ah oui, c'était ça en plus. Je sais même pas si on peut pas en faire autre chose du monde. Ça donne de l'eau. Ça donne de l'eau et de la bouffe. Mais que demande le club? Alors, la batterie. Voilà. Il faut une batterie et. C'est pas possible. Il était où? Je suis perdu. Outil là. Pile et circuit intégré. Circuit intégré, c'est là. Là. Minerai d'argent. Échantillon de corail plat. Alors, échantillon de corail plat, j'en ai. Je crois. Non, ordinaire. Faut qu'on ait trouvé du plat. Donc, c'est parti. Et du minerai d'argent.
On va sûrement faire une élite parce que le minerai d'argent depuis le début de la game, j'en ai pas trouvé. Oh, attends, on va voir si c'est ça déjà. Le corral, le machin. Ah oui, c'est ça le truc qui bouge là. Corral rouge, oui, mais c'est quoi ton nom technique? Corral plat, voilà. Pour le minerai d'argent, c'est une autre. Histoire, il en faut deux. Ah, je lag. C'est quoi? Attends, on va voir ce que c'est. J'ai toujours pas. J'ai pas regardé tout le jeu. Ah, on le ramasse pas, on n'a pas besoin. On va pas ramasser pour rien. Ça, c'est bien, ça se mange bien. J'en avais déjà mangé, j'ai réussi à. Sérieusement, je peux le scanner? Comment je fais? Je vais pas faire. À la base, dans tous ces trucs là, dans tous les recoins, il y a ce sang. Ouais, dans ce gros tuyau. Dans ce gros tuyau, j'y suis allé, j'avais trouvé plein de matière. On amasse de quartz, ce qui est bien pour la base quand on va. Enfin, quand elle a commencé, parce que vous savez pas encore tout ce que je vais faire sur cette belle base. J'ai un peu réfléchi à ce que j'allais faire, vous inquiétez pas, normalement ça devrait pas être trop moche. Normalement. Je garantis rien, ça j'ai pas encore essayé de construire. Je suis même pas allé en créatif pour voir comment on faisait, non. J'ai rien voulu faire. Emergency. Oui, 10 seconds of oxygen remaining. On va aller vers là-bas, de toute façon on a notre combinaison. Qui peut rien nous arriver à part si un mob ou un mob. Je pense que derrière c'est crevasse là. Peut-être y aura du minerai d'argent. Bon, on va garder notre couteau. J'étais en train de me dire, attends, je vais l'enlever, comme ça je nagerai peut-être plus vite. Oh, je crois que je l'avais jeté. Je pense que sur les images, ça sera pareil. Bon, on ramasse pas tout ce fer qui est par terre. Pour moi, on n'en a pas une grande utilité. Est-ce qu'on a déjà deux coffres pleins? C'est quoi ça? Non, c'est bugué. Il y a encore des bugs quand même. Hein. C'est pas grave, on leur en veut pas. Oh, tant que je peux pêcher mon passage. On va me faire trop. Viens, eux ils s'en foutent de nous. Voilà, en même temps ils nous connaissent pas. À la base ils devraient même pas nous fuir. Enfin, juste. Enfin, je sais pas. Oh 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 oh. Simov. Putain, on s'en fout. Simov, on est en vrai de la base. Je pense que ça, Simov, c'est ce que tout le monde doit avoir au minimum. Quoi. Le gars qui a pas le Simov, ça il peut rentrer chez lui. Enfin, pour moi je l'ai pas, c'est normal, j'ai juste de commencer. Je suis tout seul, vous inquiétez pas. On va aller ramasser une vitelle. C'est sûr que ça sera juste pas un instant. Ça serait tellement plus rapide, mais là c'est vrai que c'est 15 fois plus logique. Il devrait faire pareil en vrai sur la nouvelle snapshot. Ouais, on va récupérer une vitelle. Comme ça, quand on rentrera à la base, on sera tranquille. Pour les prochaines vidéos, j'essaierai de pêcher avant parce que j'y arrive pas trop. Vous entendez tous ces bruits là? C'est les machins qui explosent, les creepers. Oh non, il est nuit, il fait nuit. J'espère que la nuit il n'y a pas des bestioles qui sortent en plus. Attends, on va récupérer un peu d'oxygène. Je sais pas si je l'avais dit. Je crois que oui, mais bref, je le redis. Ça donne de ça donne 3 bulles d'oxygène. Je ne sais combien, mais ça fait du bien. Oh, je le sens pas du tout. De toute façon, s'il y a un truc qui nous chope, il nous bute. Hein. C'est même pas la peine de. Ah oui, putain, je dis que c'est ça là-bas. En fait, on va retourner à la base. Oh, salut! Faudra qu'on leur donne un nom. Donnez-leur un nom dans les commentaires. Pas un nom plus dégueulasse, hein. Mais donnez-leur un nom. Ce sera drôle, j'essaierai de l'appeler Boss. De votre nom, vous avez du nom que vous lui avez donné, ce sera drôle. Je compte sur vous. Dans les commentaires, il y a eu que Toscap, c'est bête quoi. Pourtant, je sais que j'ai eu 18 vues. Sur 18 vues, il n'y a pas de Toscap qui l'a regardé 18 fois quoi. Vous pouvez mettre des commentaires. Hein. Y'a personne qui va vous juger, et puis si vous jugez, moi je lui répondrai. Même si c'est des trucs complètement tarés, je m'en fous, j'aime bien moi.
Mettez des commentaires, lâchez-vous. Donnez vos idées, parce que là j'ai eu que Tascap qui m'a donné le truc fait ça. Donc donnez des noms, n'importe quoi, je m'en fous. Enfin, que ce soit pas non plus les trucs, voilà. On se comprend. C'est pas une grande intérêt. En plus, c'est pas comme si on avait une grosse communauté qui allait dire attendez, c'est de la merde, voilà. Lâchez-vous réellement dans les commentaires. Parce que moi j'adore les lire en fait, nos commentaires. Ça me fait du bien, ça, voilà. Ça... Oh, il y a quelqu'un qui a regardé ma vidéo, il m'a dit que ça serait bien de faire ça et tout. Moi, ça m'encourage à en faire plus. Tout ça, quoi. Allez, merci. Et bonne vidéo. Allez, allez. Je sais, j'ai l'impression que des fois, je ne parle pas, en fait. C'est comme si... Je sais pas, il est dans le vide, allez, salut. Moi, j'ai l'impression que des fois, je parle pas, je reste bloqué. Et là, je suis lancé, donc... Essayez de pas m'arrêter. Des fois je parle pas parce que j'essaie de me concentrer pour voir s'il n'y a pas du calcaire. Et le problème c'est que j'en trouve pas. Et ça c'est pas bon. Donc on va manger vitel. Et on va se faire une ellipse. Voilà, on va manger vitel. Enfin boire vitel. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pas manger du plastique. Hop, on va faire cuire le boomerang. J'aime bien pêcher boomerang, il ne fuit pas. Je crois que c'est le plus pratique en fait. Après, on aura sûrement des plus gros. Oh, ça va ne surtout pas manger parce qu'il y a marqué pourri devant. Ce qui enlève de l'eau et de la bouffe. Enfin, ça nous donne envie de bouffer quand c'est pourri, c'est bizarre. Alors, on va partir. Oui. Non, vous partez pas avec moi. Allez, ellipse, à tout de suite. Et salut. On se retrouve après l'ellipse. Enfin, j'ai toujours pas trouvé le minerai d'argent. Mais j'ai trouvé ce nouveau biome, on va dire. Je suis... extrêmement loin, enfin à la nage quoi, ça va être hyper long de revenir je pense. Et voilà, regardez pour les gens. Regardez, il y a un nouveau mob. J'ai juste de le voir. Regardez ce monstre. A mon avis il est pas sympa. Oh putain il m'a plus dit, on va pas trop y aller. Donc je suis en train de chercher mon minerai d'argent aux alentours parce que vu que j'en ai pas encore trouvé, j'ai trouvé un peu de minerai de cuir. Mais vu que j'en ai pas encore trouvé, je me dis, attendez, il doit y avoir un truc là. Donc logiquement, oh, on est proche. Je suis déjà mort une fois tout à l'heure parce que j'étais tellement profond que j'avais plus d'oxygène et j'avais pas vu. Et faites que ce soit du minerai d'argent. C'est pas ça, si c'est pas du minerai d'argent, j'arrête la. Enfin, je reprends l'île. Je suis désolé, mais je voulais au moins vous montrer les monstres là. Bah, je vais arrêter. Attendez, c'est quoi ça? Ouais. Ouais c'est ça. Fragment de cyclopes. Oh non sérieux. Comment ça fragment de cyclopes? Attendez, on va remonter, on est pas trop haut. J'avais même pas vu, mais en fait il y a la profondeur en haut. Et là il y a le jour, donc je le tourne en février 2016. Bon allez, on reprend l'ellipse. Allez, salut, à tout de suite. Et ça y est, on est retourné au pod. Voilà, je me suis mis dessus pour que ce soit un peu plus classe. Donc, alors regardez ce que j'ai récupéré quand même. Alors j'ai ramené de la vigne pour pouvoir faire notre deuxième cartouche de silicone. J'ai trouvé un peu de minerai d'argent, donc c'est-à-dire que j'en aurai un de trop, donc c'est pas génial. Un petit Gary Fish, ça fait pas de mal. Et en cherchant comme ça vers où j'étais, je me suis pas trop déplacé, j'ai récupéré de l'or. J'imagine de l'or. C'est énorme. Ah non, c'était des graines qu'il fallait. Pas grave. Alors, pareil que c'était pas le silicone, c'était des graines. Putain, c'était des graines. Non, on va pas faire de magnésium. Ah, par contre, on a plus de Gary Fish. Non, j'ai fait. On clique à côté, ça marche pas. Gary Fish. Donc, on a 4 espèces pour l'instant. On aura 15 soit plus, à mon avis, après. Oh. C'est pas ça. Hop, mais... voilà, attendez, vu que j'ai vu ça et ça me fait penser, on va sauvegarder. Voilà, non, désolé. Je sauvegarde. Ah, outil. Non, tout ce qu'il nous faut. C'est quoi? Ah oui, j'ai peur. Il faut encore chercher quelque chose. Circuit intégré, c'est ça? Putain, je sais pas. Dites-moi, vu qu'on est dans le live. Oui, circuit intégré. C'est parti. Hop, là, je clique sur... sur ça, sur un petit câblage. Allez.
peut avoir notre fabrique truc là. Oh. Oh. Oh, c'est trop bien. Alors, attendez, en déployable, il nous faut. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, voilà. Attends, j'ai posé tout ce que j'ai là. Pas besoin. Sans garde. Ah merde, il faut. Je sais pas encore où on va la faire, notre base, mais je pense qu'on va la faire. Chez site en fait. Ouais, je pense qu'on la fera vers le roi. C'est le meilleur endroit en fait. Alors faut pas qu'on aille trop profond. J'ai regardé un peu, je me suis renseigné. Faut pas qu'on aille trop profond, sinon on devra consolider comme des fous notre coque de base. Ça risque d'être un peu chaud. On va aller vers le. J'ai essayé de trouver un petit coin pour faire une belle base. De toute façon, après, même si on est loin du pod, en fait, c'est pas grave. Oh non, on y approche. Même si on est loin du pod, c'est pas grave parce que on ne viendra plus. On vivra dans notre base parce qu'on pourra tout faire. Je pense que le plus chiant, ce sera de déplacer tout ce qu'on a. Et vu qu'après on aura le chien. J'hésite en fait à faire ça. On est proche là-bas. Il y a très bien des trucs comme ça. Une belle crevasse et tout. On a de la place en plus autour, c'est assez bon. J'hésite en fait à la faire maintenant. Attends, on va au moins regarder ce que ça donne. Je sais pas comment ça marche. Hop, alors il faut des. Est-ce qu'il. Attendez, je vais regarder un truc. Je sais pas si c'est. Oh. Lag. Oh, j'ai lagué, excusez-moi. Ah ouais, ça fait des pieds, on a pas besoin de faire de. Oui, non. D'accord. En fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est dans le sol là. On va le faire tout de suite. Je vous rassure, on la fera pas tout de suite. Parce que je veux que ce soit le jour, je veux qu'on puisse voir la vue qu'on a le jour, la nuit, je veux trouver le meilleur endroit possible. Je veux pas aller vers Saobzer parce qu'on marche. Je pense que je vais aller où j'ai trouvé le minerai d'argent tout à l'heure. C'était vraiment beau là-bas. En plus on était proche de l'Aurora, on pourrait aller. On est en train de découvrir. On est vraiment pas là de voir un peu. Et si vous entendez là les gros bruits, oh ouais, on va se mettre là. On va se mettre là. Oui, on va se mettre là. On n'a pas une super vue en fait. C'est vrai qu'il me chagrine un peu. Parce que fondation. Oh, ah, j'ai pas de verre. De toute façon, on est obligé de retourner là-bas. Oh, purée. Bah, vu que je vais passer par là, je vais aller récupérer les graines de machin. Ah non, j'ai pas de place. Mon inventaire est full. Non, je l'ai pas mangé. Voilà, c'est comme ça. Putain, je l'ai mangé, j'ai dû perdre. C'était quoi? Ça lâche des cubes quand on jette un truc. Ça, c'est pas fait. Parce qu'en principe, quand tu récupères un truc, tu le récupères, tu le mets pas dans un coffre quand tu l'as. Je sais pas. Ça, c'est énorme, ça. Ça fait que j'ai jamais rien réussi à pêcher. Regarde, il glitch dans les murs. Ça, c'est juste de la déco. On peut pas les pêcher, ça. Je sais pas, après dites-moi en commentaire pour ceux qui connaissent le jeu. Vite des builders, j'aurai pas le temps de remonter. D'autres. On va aller chercher les bulles après. Bon, je reviens au pod et on se retrouve après. Allez, désolé de faire tomber. Et voilà, fin de cette ellipse, j'en ai marre de faire des ellipses, ça me saoule. Désolé. Bon, par contre, alors pour la fin de la vidéo, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je tourne. J'ai mis pas mal de temps à trouver le minerai d'argent, à aller de retourner au pod à chaque fois. Donc je vais pas construire les trucs, enfin les matières, oh, putain, je galère, la base. Je vais pas construire la base tout de suite,
Bon, tout de suite, on va crafter nos pales. C'est pas fini. Eh, c'est pas fini. Alors, on a des petites pales, comme ça, on ira sûrement plus vite. Et le scanner. Parce qu'en fait, il faut des vaisseaux. Je sais qu'il y a le sigla, il existe, sauf que je ne peux rien faire. Je n'ai pas de trucs à déployer pour pouvoir construire justement ce Seaglide. Parce que le Seaglide, je ne pourrais pas le construire, je pense, je suis pas sûr. Oh, bon, ça fout. Donc je ne pourrais sûrement pas le construire inventaire. Ouais, comment ça marche pour aller voir. On va essayer de voir vite fait. Oh, est-ce que c'est ça, et par exemple ça. Ok. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Pour la prochaine fois, j'essaierai de pêcher, faire plein de trucs. Oh, voilà. On a ça. Et voilà. Et on a plein de progression. Il nous en faut 3 trucs comme ça. Calorie intake recommended. Manger ça et en même temps on va aller chercher ce truc là. Il aurait fallu que j'ai ça tout à l'heure. Quand je suis allé chercher là. En fait je suis parti manger des algues là. Quand je suis allé chercher le minerai d'argent, il m'aurait fallu ça parce que tout à l'heure j'ai découvert le. J'avais fait qu'ils sont pas empoisonnés. Ouais, je suis allé chercher. J'avais vu l'échantillon de machin. Non, le fragment de. Comment s'appelle ce machin déjà? De Cyclope, voilà. Putain, j'ai vu encore. 30 seconds of oxygen remaining. Allez, je remonte. Je remonte. Donc, par contre, je sais pas si vous l'entendez. Mais mon ordi chauffe énormément. C'est assez gênant pour moi en fait, vous devez sûrement pas l'entendre. J'ai un micro quand même qui prend normalement que ma voix. Normalement, parce que j'ai peut-être mal fait les réglages. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Je peux trouver cette dernière boîte. Oh purée là. Ok. Soit sûrement du Simov, parce que le Simov c'est un truc qu'il nous faut absolument. Donc c'est obligé qu'ils nous mettent tout au même endroit. Enfin qu'ils nous mettent autour de la base. Si on n'a pas le Simov ou le Siglag, de toute façon on ne peut pas sur une autre. C'est obligatoire. Bah on peut pas avancer, on n'avance pas. Regardez, je perds énormément de vie, je perds énormément de boue, je me fatigue pour rien, il y a lui, il va me péter la tronche. Ah non, ça va. C'est. Voilà, c'est. Oui je sais, je scanne. Encore, il y en a plus. Comme ça, il y en a plus. Ça les enlève, non? Ouais, ça les enlève. Comme ça, parce que même si ça c'est toujours le Simov, on sait pas. Voilà, c'est le Simov, on s'en fout, on le récupère. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Alors en fait, ça ne servait à rien ce que j'ai fait, mais ça a quand même été utile. Alors, c'est à dire. Quand on a des boîtes maintenant, même si c'est un truc qu'on a déjà découvert, je suis pas allé si loin de cette boîte. Non, ça va. Donc si on a quasiment, enfin si on a déjà toutes les bases de ce truc, on a juste à, enfin on le fait quand même et ça nous donne du titane. Ça se trouve quand ce sera le cyclope, on trouvera pas du titane. Ça se trouve ce sera du minerai d'argent, des trucs complètement cheatés. Voilà. Alors, on va vite essayer de trouver quelque chose pour boire. Alors, boire, javel, la javel, ça se fait comment? Javel, dépôt de sel, échantillon de corail or, machin. Vite. Dépôt de sel et échantillon de corail, on les prend les deux, hein, comme ça on va pas crever. Je veux pas crever devant vous. Paf. J'ai pas l'impression que j'avais. Alors, excusez-moi de souffler dans le micro, j'avais pas fait gaffe. Alors, c'est où Simov? Oh, damn.
Lingot de titane, batterie haute capacité, deux verres lubrifiant. Oh. Ok. C'est quoi? Combinaison anti-radiation, mais je l'ai déjà fait, ça pourquoi ça me... On s'en fout, on s'en fout. Alors, je vais vous montrer, vu qu'on arrête la vidéo maintenant. Alors, je vais vous montrer les crafts. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de me crafter? Alors, bouteille, ça c'est fait, ça c'est fait. Combinaison anti-radiation, c'est fait. Alors, combinaison de plongée renforcée, je ne peux pas le faire pour le moment. Ça sert à rien, quitte. Ok. Ok, tout ça, ça sert à rien. Alors, ah, une lampe torche. Ça, vous pouvez me le dire. Le fil d'Ariane, ça sert à rien. Poche d'air, oh, je savais même pas que ça existait, ça. Fusée éclairante, machin. Soudeuse. Je sais pas ce qui pourrait être utile. Bon, vous me dites, hein. Et aussi, non, c'est pas là surtout qui va être utile. Voilà, j'ai les trucs de l'arbor, de l'armoire. Donc tout ça, vous pourrez me donner des idées, des trucs. Et bah voilà, je vais essayer d'avancer. Comme ça, je sais que prochaine fois, directement, je vous l'annonce. Prochaine fois, je crafterai une lampe torche déjà pour la nuit. Comme ça, on sera tranquille. Je essaierai de trouver comment faire le Seaglide et en avance. Et une fois que j'aurai trouvé comment faire le Seaglide, je vous récupérerai tous les aliments comme ça, enfin tous les ingrédients comme ça, on le craftera directement ensemble. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si vous aimez la série, mettez un j'aime, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager et surtout mettez des commentaires. Ça me fait vachement plaisir de connaître votre avis, mais sans que ce soit forcément un j'aime. Je préfère que vous ayez marqué quelque chose de vous-même plutôt qu'un j'aime. Enfin. Mettez un j'aime quand même, ça me dérange pas. Si vous avez bien aimé, bah, faites-le moi savoir. Allez, salut et merci.